Ah. Quelle surprise. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? On n'a plus le droit de venir te voir. Et pourquoi tu laisses la porte si grandement ouverte? Oh. Maman, tu n'as pas toujours changé. Vous avez décidé délibérément de vous éloigner de moi. Surtout toi, Isabelle. Alors que le temps nous imposait d'être unis ensemble et forts. Elle, au moins, ça m'a toujours montré son vrai visage. Mais toi, Christian, tu es sournois et je déteste ça. C'est peut-être pour ça que tu as tellement voulu me séparer de ma Dulcinée, n'est-ce pas, maman? Eh bien, le ciel a exaucé tes prières. Même si c'est triste, je n'ai rien à voir avec ça. Personne ne t'accuse pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est que ton amant est le mis en cause dans le meurtre de Meghan. Son quoi? Ferme-la, Christian. Eh bien, le présumé meurtrier de Meghan, il se tape ta mère. Ah, je t'ai demandé de te taire, Christian. Depuis que votre père est mort, je n'ai cessé de me battre pour vous. Mais qu'est-ce que je reçois en retour? Du mépris et de l'ingratitude. S'il te plaît, maman, arrête de chercher de la sympathie, car tu t'es fourré du doigt dans l'œil toi-même. Papa est mort, mais tu as quand même décidé de tout gâcher plutôt que de participer à la cohésion de la famille. Aujourd'hui, George est en prison à cause de toi. À cause de moi? Oui. Donc c'est moi qui volais les 60 millions, c'est ça? Maman, je commence à croire que ton amant et toi, vous avez monté ce complot pour le faire tomber. Parce que c'est tellement passé vite, j'ai rien compris. Ça suffit! Je ne vais plus vous entendre une seule seconde. Eh bien, maman, le fameux Léon Boka que tu as tant caché toute ta vie. Qui est ce Léon Boka? Bah, vas-y, parle. Cette fois-ci, tu ne vas pas nous échapper. Je ne vous permets pas de me mépriser de la sorte. Paraît que Léon Boka était le premier mari de ta mère. Non, c'est pas vrai. Oh, c'est bon là. Ça suffit. Vous allez me lâcher, bon sang. Je ne vais pas vous retrouver ici quand je reviendrai. C'est clair que maman nous cache des choses. Mais un jour, on va tout découvrir. Je n'aime pas le vide de cette maison. Tu commences à comprendre. C'est bien. Je suis très heureuse que tu reviennes à tes meilleurs sentiments. Et dis-moi, à quand ça tombe pour ce mois? Un instant, je vais regarder. Je crois le pic, c'est le 18. Le 18, et nous sommes le 12. Dans 6 jours. Dans 6 jours. Alors, ça veut dire qu'en quelque sorte, on peut commencer à chercher maintenant. J'aime ça, mon cœur. Je crois que je vais te donner une jolie fille. Un garçon. Non, non, non. Moi, je veux deux filles et deux garçons. Ok. Allez, viens là.
Grand frère, je n'en peux plus de vivre dans cette atmosphère. Sérieux, depuis la mort de papa, il n'y a que des malheurs qui nous poursuivent. Et ma tête va exploser. Ah. Je sais que c'est vraiment très compliqué la vie chez les Niamey ces derniers temps, mais il faudrait qu'on soit soudés. Tu vois. Il faudrait qu'on se serre les coudes. Je crois qu'il est temps que j'aille retrouver ce qui manque à mon bonheur. C'est vrai, j'ai promis à papa de reprendre ma vie en main et je compte le faire. Tu sais, petite sœur, si vraiment tu l'aimes et que lui aussi il t'aime, bah, tu devrais le rejoindre et vraiment ne laisse personne s'opposer à ton bonheur. Tu as tout mon soutien. C'est ce que j'aurais voulu avec ma... avec ma Megan. Merci encore, grand frère. Oh, tu es le meilleur. Ah, mon frère, tu es là. Si je t'ai fait venir, c'est pour tout expliquer, mon frère. Donc, je suis ton frère et tu me fais ça. Léon, les choses ne sont pas passées comme tu le penses. Et comment ça devait se passer? Comment ça devait se passer? Et explique-moi tant de silence, matin. Léon, si je t'ai fait venir ici, c'est justement pour tout expliquer. Quoi? Et les dieux veulent me faire la morale? Oh, 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 Léon, je ne te permets pas. Tu sembles oublier que c'est moi qui t'ai fait sortir de la galère? N'oublie pas que tout le succès que tu as aujourd'hui, c'est grâce à moi. Alors quand tu me parles, baisse d'un ton. Et ça te donne le droit de me poignarder dans le dos? Hein? Allô, Mamzel Djok. Tu peux organiser ce fameux dîner. Juste un peu, toi aussi. Doucement, chérie, doucement, mon bébé, doucement. Doucement, ça va aller, allez. Allez, ça va, doucement. Je te dis pas d'alcool. J'ai compris, ça va, doucement, doucement. Oh. Oh, quelle foi!
Tiens-moi. Voilà. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'un millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous, comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer CINAF, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, CINAF offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant CINAF, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tinzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Blandengeni, acteur de cinéma et CCO de CINAF. Bonjour mademoiselle. Ah, désolé, madame. Bonjour. C'est juste pour vous remettre ce colis. Vous pouvez signer là, s'il vous plaît. Sans problème. Merci. Vous avez été gentil cette fois-ci. Merci encore. C'est pour vous, madame. Il s'agit de quoi? C'est un document confidentiel. Eh bien, ouvre-le. Et alors?
Madame, c'est une information de mise sous scellé du chantier et l'arrêt immédiat des travaux du port de Tiko. Te voir. Non, mais ces gens sont malades ou quoi? Mais l'entreprise ne se résume pas au simple petit nom de Georges. Et son départ en prison ne devrait pas nous asphyxier non plus. À ça, je ne vais pas le permettre. Non, 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 non. Qu'allons-nous faire, madame? Eh bien, on va danser. Dégage. Alors, commissaire Kamdem, Élise Niamé à l'appareil. Mon commissaire, vous voulez bien nous envoyer des éléments, s'il vous plaît? J'ai besoin de sécurité dans l'entreprise. C'est très urgent. Je vous remercie. Madame, ça en est de trop, on ne peut plus supporter ça. Hein? On a nos familles à nourrir, on a des charges, et en plus c'est la rentrée scolaire. Nos salaires ou rien. Et alors? Est-ce que vous savez ce que vous risquez en vous comportant ici? Le trouble dans une entreprise est passible d'emprisonnement. Nos salaires! 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 Et puis d'ailleurs, je n'ai signé aucun contrat avec vous. Vous allez vous en prendre à votre Dieu, Georges. Si vous voulez le crucifier, eh bien, allez-y, faites-le. Nos salaires, nos salaires, nos salaires, nos salaires. De quoi je me mets? Hein? Toi, tu n'as que 20 000 francs de salaire. Et c'est pour des gens comme toi qu'on se bat. Ça ne va pas dans ta tête? Animal. Vous ne bougez pas d'ici tant que nos réclamations ne sont pas résolues. Vous voyez que je suis bien plus futée que vous. Un seul mot de plus, vous avez le choix. Soit vous dégagez de vous-même, soit on vous dégage. À vous de voir. Ok, vous avez fait appel à la police, n'est-ce pas? Ça ne va pas finir aussi. Ce n'est qu'une partie remise, croyez-moi. Dégagez, bande de rats. À très bientôt. Je suis vraiment désolé, madame. Dégagez de mon bureau. Allez. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Oui, Élise. Pourquoi tu es si affolée? Le ministère vient de nous retirer le contrat du port. Comment ça? Mais quelles sont les raisons? Je n'en sais rien. Qu'allons-nous faire maintenant? S'il te plaît, laisse-moi passer quelques coups de fil, on verra ça au bureau. Tu ne m'as rien dit, Ndema. Ils envisagent de nous retirer le contrat. Et toi qui pilotes le travail sur le terrain, tu n'as pas jugé nécessaire de m'en informer. Mais madame, ils ont surpris tout le monde et les ouvriers se plaignent plutôt de vous. Et pourquoi ça?
D'après eux, vous avez regardé les choses se détériorer sans toutefois lever le petit doigt. Et aujourd'hui, ils sont très en colère. Écoutez, madame, personnellement, j'essaie de les calmer à mon niveau. Mais ils se plaignent du fait qu'ils n'ont reçu aucun salaire depuis que vous êtes à la tête de cette entreprise. Et qu'est-ce que tu veux insinuer? Rien du tout, madame. Je dis juste qu'ils devraient recevoir leur salaire au vu du travail qu'ils accomplissent chaque jour sur le chantier. Eux aussi, ils ont une famille et des bouches à nourrir. Oh! Alors tu veux m'apprendre comment gérer cette entreprise? Non, mais attends un peu. Tu te prends pour qui? Je m'excuse si mes propos vous ont offensé. Je voulais juste signaler les problèmes que mes collègues, mon équipe et moi nous rencontrons chaque jour sur le chantier. Debout. Vous pouvez sortir maintenant. Mais madame... Je ne veux plus rien entendre. Dehors!